Voilà, il va gérer une communauté sur un réseau, quel que soit si c'est un réseau social ou... Voilà. La question est la suivante. Quel est un point qui est très important, c'est comment une marque doit gérer les bad buzz. Qu'est-ce qu'un bad buzz? C'est quand on dit du mal de ta marque. C'est quand on dit du mal de ta marque, quand on critique négativement, quand on... Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez... Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui vend, c'est un exemple réel, une entreprise qui vend les ordinateurs. Je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est frappant. Pas les ordinateurs, les télés. D'accord ? Alors, le chauffeur va livrer la télé. Il est allé faire la maison, il a sonné, personne n'ouvre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté la télé au-dessus du mur. D'accord ? Pour lui, il voulait livrer à tout prix. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Pour lui, c'est bon, télé livrée. Il termine son chemin. Il va livrer les autres trucs qu'il a. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été capté par la vidéo de surveillance de la maison. Ils ont pris la séquence, ils les ont mis sur le net, sur le réseau. Et ça, ça fait quoi pour l'entreprise? De la mauvaise réputation. De la mauvaise réputation. C'est-à-dire, on a touché à la marque de l'entreprise, la réputation de l'entreprise. Ça, c'est un bad buzz qui doit être géré. Comment un community manager doit suivre tout ça en parallèle? Comment il doit faire la veille, suivre l'image de marque, améliorer l'image de marque de l'entreprise et surtout gérer tout ce qui se dit sur l'entreprise et en plus, ce qu'on n'a pas dit, avoir une idée sur la concurrence. Qu'est-ce qui se passe dans le même domaine? Les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Donc ça, c'est le rôle du community manager en gros, c'est qu'il doit avoir l'œil ouvert sur tout ce qui se passe sur la communauté qu'il est en train de gérer. On a présenté l'autre fois, en fait, j'ai cité quelquefois quelques outils qui peuvent être utilisés pour faire la veille. En fait, on a deux volets. On a le volet de veille, d'accord? On va voir tout ce qui se dit. Et on a le volet de mesure, de indicateurs de mesure. Ce sont deux volets qui doivent être utilisés par le community manager pour l'aider à réaliser mieux son travail. Donc, j'ai énuméré l'autre fois ces quelques outils. Et qu'est-ce que j'ai proposé au community manager qui était présent? Quels sont les outils que vous utilisez? D'accord, je voulais voir parce qu'on a un nombre énorme d'outils et chacun utilise des outils différents des autres. D'accord. Donc la question était quels sont les différents outils que vous utilisez? On a fait un document sur Google Drive et on l'a partagé. Et chacun des community managers qui étaient présents l'autre fois nous a ajouté quelques outils qu'ils utilisent. Donc en fin de compte, ça c'est une liste qu'ils utilisent mais n'est pas complète. C'est-à-dire, si je vais mettre tous les outils qu'ils utilisent, j'aurai 3, 4, 5 slides à gérer. D'accord? Donc j'ai énuméré quelques outils qu'ils utilisent. C'est pour avoir une idée, qu'est-ce qu'ils utilisent, pourquoi, etc. D'accord? C'est bon? Okay. Alors la question est la suivante. Tellement on a des outils, quel outil vais-je utiliser? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Quel outil je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser celui-là ou celui-là? Est-ce que je peux dire que celui-là est meilleur par rapport à l'autre? Sur quoi je vais me baser? D'accord. Pourquoi ce community manager utilise par exemple Google Alert alors que l'autre utilise un autre outil, etc. Le choix d'outil est très important. D'accord. Donc je vais me croiser les doigts pour dire quel outil je vais utiliser. D'accord. Ou j'aimerais bien aller prendre une petite pause, un petit café. Est-ce que entre temps, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais suivre moi, quel outil je vais utiliser pour que je puisse dormir tranquillement parce que je dois avoir l'œil ouvert 24 sur 24. Comment je peux me reposer le temps qu'un truc en arrière-plan est en train de faire le travail pour moi et me donner un état de ce qui a été dit. D'accord. Donc l'idée était d'utiliser un outil. Alors je vais vous présenter la boîte d'outils du veilleur, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. La boîte d'outils du veilleur, c'est une carte conceptuelle. Donc vous devez avoir une boîte, une carte conceptuelle qui est très intéressante. Je vais vous la présenter rapidement. Je ne sais pas si j'arrive. Pas maintenant, plus. Sinon. Voilà, à l'opéra. Alors, une remarque très importante, que la veille ne se fait pas uniquement pour les community managers. Vous êtes enseignant, vous pouvez faire de la veille. Vous êtes étudiant, vous pouvez faire de la veille sur votre recherche. Vous êtes
parents pouvaient faire de la veille. La veille peut être faite par n'importe qui, pas forcément pour un community manager, d'accord? Vous pouvez utiliser ça pour vous. Alors, c'est la carte mentale. Cette carte mentale est très très importante à mon avis, parce qu'elle donne les outils, elle détaille les outils par catégorie. Donc si vous êtes un veilleur, c'est pour ça que je vous dis, quel que soit votre domaine de travail, vous pouvez utiliser cette carte-là. Alors, vous devez par exemple gérer la réputation en utilisant les outils de surveillance. Donc, si c'est personnel, moi en tant qu'enseignante, j'utilise la veille. J'utilise, je veux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit de moi. J'ai toujours des informations qui se passent sur les domaines de mon travail, même chose, sur les modules que j'enseigne aussi, même chose. J'aimerais bien suivre l'évolution pour que mon cours soit innové, dire de nouvelles choses chaque fois. Je n'ai pas à avoir la routine. Donc par exemple, si vous voulez faire de la recherche de personnes, d'accord, vous pouvez utiliser 1, 2, 3 People, mais maintenant le site le plus utilisé, et que j'ai connu grâce à Madame Souhaïla, c'est PIPL. Ça, c'est, vous voulez, c'est un moteur de recherche de personnes. Permet de chercher des personnes. Je cherche la personne X. Je peux avoir des informations sur cette personne-là. D'accord ? Là, c'est pour chercher PIPL. D'accord ? Alors, PIPL.com, c'est ça, madame ? Voilà. Alors, il y en a d'autres, par exemple, Alerty, je peux utiliser pour chercher une personne. Comme je peux utiliser d'autres, regardez, c'est une très belle arborescence, d'accord ? De la marque. Je cherche une marque bien précise. Donc, j'ai ici des outils de veille, de surveillance qui me permettent d'informer ça. Par la suite, si vous voulez par exemple publier, vous êtes community manager ou vous êtes enseignant ou autre, vous voulez diffuser de la publier, vous voulez diffuser publier, donc vous pouvez utiliser les microblogs. Ils vous donnent Twitter comme exemple, etc. Donc j'ouvre une petite, je vais terminer par Pitos. Alors le partage d'informations aussi, vous pouvez utiliser, vous pouvez faire la curation. Vous avez une idée sur la curation? Qui utilise Scoop.it ici? Scoop.it, le site Scoop.it, qui l'utilise? Voilà, c'est quoi la curation, Bahir? Non, sorry. Curation. C'est le stockage des données et tout. Tu les stocks, je ne sais pas, très bien l'information en machin. C'est un machin. C'est? Machin. Plus les réseaux sociaux pour. Sur? Oui. Sur quoi? Elle utilise comme achat pour avec tous les réseaux sociaux, pareil pour apporter un seul page. D'accord. Alors en fait, c'est la même chose. Moi aussi, j'utilise Scoop.it. Pourquoi? Par exemple, j'aimerais bien faire la veille sur plusieurs thèmes. Je fais la veille tout ce qui se dit sur la e-réputation. Je fais la veille tout ce qui se dit sur les MOOC, les classes inversées, puisque c'est mon domaine de travail, etc. Et là, la curation, c'est suivre tout ce qui se dit sur cette information-là. Je suis en train de... je sais pas si c'était disque, raté, je ne sais pas. Mais c'est suivre tout ce qui se dit sur ce domaine-là bien précis. C'est très important d'utiliser, moi je vous invite à utiliser Scoop.it pour plus d'informations. Alors, analyse des données, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette carte qui est très intéressante, que je vous invite à la voir en détail par la suite. Organiser sa veille, d'accord? Alors, et aussi collecter de l'information et créer et filtrer ses flux avec la gestion de tout ce qui est flux RSS. D'accord, c'est quoi les flux RSS par exemple? Qui peut me donner une idée? Les flux RSS. Par exemple, vous m'avez dit que vous suivez tout ce qui est la presse. La presse, le temps, etc. Et là, maintenant, ils ont des sites web. D'accord? Alors, l'information, elle apparaît à chaque fois. Par exemple, par jour, ils peuvent publier 10 articles, 20 articles. D'accord? Ça, c'est un flux. D'accord? Les articles, ils sont en train de faire un flux. Alors, vous ne pouvez pas être connecté, j'imagine, 24 sur 24 sur le site de la presse. D'accord? Mais vous êtes intéressé par tous les articles qui sont publiés, quel que soit le domaine de la... Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire que j'aimerais bien suivre les flux RSS. Les flux RSS, oui. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qui a été fait par cette page web là, par ce site-là. D'accord? Donc, vous pouvez paramétrer ça en utilisant NetVibes. Avant, on pouvait utiliser iGoogle. Avec les gadgets, on pouvait suivre le... Mais iGoogle, il a disparu. Ça, on l'a dit déjà, il est fermé, il n'est plus.
Et on est passé à NetVibes, qui vous permet de gérer plusieurs flux en parallèle en utilisant des gadgets. Alors ça, c'est une carte très importante que je vous invite à la voir plus en détail. Je reviens. Voilà. Maintenant, je vais vous énumérer pas beaucoup d'outils à utiliser, mais des outils qui sont très utilisés. D'accord ? Alors, le premier outil, c'est Google Alert. Google Alert, c'est très simple à paramétrer. Vous connaissez tous Google, je pense que vous avez tous un compte Google. Donc, il suffit... J'ai déjà ouvert le... Non. Alors, je vais chercher. Il suffit de paramétrer en quelques clics. Google Alert. Oui, si vous avez un compte Gmail, c'est automatique. Vous pouvez accéder à tous les services de Google sans avoir un problème. Il suffit d'avoir un compte Gmail. D'accord ? Et moi, je vous invite, parce qu'il y a ce qu'on appelle les Google Docs, Google Drive. Vous l'utilisez ou pas ? Voilà, c'est très, très pratique. Voilà. Alors ça, c'est Google Alert. C'est quoi ? Vous donnez la requête à rechercher. Par exemple, moi, je suis intéressée par les Community Manager. Donc, je vais écrire Community Manager. Je paramètre les différentes choses et je dis créer l'alerte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Chaque fois, il trouve un nouvel article ou actualité concernant le Community Manager, il va m'envoyer par mail. D'accord ? Alors, je, par la suite, si je m'absente toute une journée, pas de problème, j'aurai un mail, j'arriverai à lire. Et là, c'est très intéressant pour, par exemple, je vois toujours, désolé, je vois toujours le volet éducation et l'enseignement, parce que moi, ça me permet de connaître les conférences qui ont lieu, les séminaires et tout ça. D'accord ? Comme si je rate rien. Comme si je suis connectée 24 sur 24 sur tous les réseaux. Alors que je ne le fais pas. Mais je paramètre des outils pour tout avoir accès, pour avoir accès à tout. D'accord ? Ça, c'est Google Alert qui est très utilisé. Mais faites attention, une remarque très importante, que la qualité de Google Alert a chuté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont enlevé le Google Reader. Google Reader avant, il permettait de gérer les flux, etc. C'était très intéressant. Mais Google Reader, par la suite, elle a disparu. D'accord ? Et depuis, on a remarqué que Google Alert, la qualité de ses recherches a chuté. Il est encore utilisé, mais la qualité, je parle de la qualité a chuté. Donc, il faut faire attention en utilisant. D'accord ? Plutôt, vous pouvez l'utiliser, mais vous devez mettre un plan B, un autre outil que vous utilisez pour avoir, pour pouvoir comparer. YouSeeMe, qui connaît YouSeeMe ? Vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne l'avez jamais entendu parler ? Non. C'est quoi YouSeeMe ? Tu l'utilises ? Moi, c'est aussi un outil de Drive, mais qui regroupe plusieurs, c'est pas que les sites internet, aussi Facebook, les blogs, si je me trompe pas, les tweets, par rapport à une requête de données. Bon, il ne vous envoie pas d'alerte à ma connaissance, c'est juste instantané. Vous mettez votre sujet et il les donne un peu que il y a une classification, quelques pourcentages aussi pour dire positif et négatif, mais après, il faut faire aussi un travail de. Classement, intitulé par d'autres choses, est-ce que c'est positif, c'est négatif, hein, il ne faut pas compter sur ce que tu dis à 100%. Donc, YouSeeMe, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la veille en fait en temps réel. D'accord ? Il n'est pas comme Google Alert, c'est-à-dire on ne vous informe pas par mail. C'est à vous d'aller sur l'interface pour le voir. Donc, veille complète en temps réel, il permet de mesurer votre visibilité, d'accord, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il dit, et surveiller votre e-réputation. Et vous connaissez tous que notre e-réputation, avant de penser à la réputation d'une marque ou d'une entreprise, on doit veiller sur notre réputation personnelle. C'est très important pour nous. Alors, je vais vous montrer le site, j'ai tout préparé. Juste tout préparé. Voilà. YouSeeMe, le voici. D'accord ? Il est facile. Bon, vous devez créer un compte, il est gratuit, c'est facile. D'accord ? Alors, je peux chercher une société. Je peux faire une recherche sur une société. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux de cette société-là ? Je peux faire sur un individu. D'accord ? Par exemple, quand on vous dit la mesure de visibilité, je vais choisir mon nom et je le Cyril. C'est juste pour vous montrer. D'accord ? Mesurer. Je suis intéressé. Et regardez ce qu'il va nous faire sortir comme information. Alors, indice web 1.8, indice réseau social 76.8. Alors, et on fait un instant. On va recharger. Okay.
commission elle est lourde. Je charge le mot. Bon, le temps qui charge en haut. Regardez, sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux. Ah, voilà, c'est bon. Alors là, il me donne des recherches sur Google, sur blog. D'accord. De l'autre côté, ce sont les images qu'il a trouvées. Et là, par compte. Par exemple, j'ai un compte Instagram, Flickr, Google+, Foursquare, Facebook, Post, Tweet, Mention. Vous pouvez trouver, regardez, toutes les informations sur vous. Qu'est-ce qui se dit sur vous, d'accord? Alors, quand j'ai suivi la formation e-réputation, je n'avais pas plusieurs... Quand je vous ai dit, j'ai suivi une formation e-réputation à l'IWEB, je n'avais pas plusieurs informations ici, d'accord? Mais au fur et à mesure, quand on tient compte de la veille, on contrôle et on fait plus d'attention. Et là, on sait qu'est-ce qu'on doit publier, qu'est-ce qu'on ne doit pas publier, etc. C'est le même... On est des community managers de nous-mêmes. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez voir toutes les informations sur le You See Me. Ça, c'est pour une personne. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez faire de la veille. Je reviens, veille. Voilà. Pour veille, moi, j'ai fait, regardez, j'ai paramétré ça en donnant des sujets. Ça, c'est mon compte. Donc, je veux faire de la veille sur la e-réputation. Sur e-learning, enseignement à distance, développement mobile. Je suis intéressée par ces données-là. Okay? Alors là, il me fait sortir, il y a 4 secondes, regardez, Google Blog, travail à faire, là, non, ça c'est pas 4 secondes. Qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est mon cours. Non, travail sur la même chose. Ah, ça c'est mon instant. Je clique sur e-réputation. Voilà. Donc, il y a un jour, il y a un article qui parle de veille et gestion de la réputation sur Internet. D'accord? Alors, si je cherche des informations sur e-learning, ça, donc, vous, pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez choisir les mots-clés, les thèmes que vous cherchez, vous les paramétrez, et par la suite, vous faites la veille. Vous suivez. Vous, et lui, il apporte tous les articles, toute l'actualité sur tout ça. D'accord? Mettre à jour le sujet. Bon, je ne vais pas faire ça maintenant. Ok, alors, l'autre outil, c'est Alerty. Qui l'a utilisé, Alerty? Qui est informé d'Alerty? Un instant, quels sont les outils de veille que vous utilisez? Vous utilisez un outil de veille? Pardon? Google Alert. À part Google Alert. J'utilise Google Alert. Je n'ai pas encore... En fait, je l'ai découvert lors de ma formation, mais je ne l'ai pas utilisé. Alors, quels sont... Ah, LinkedIn et Social Motion. Voilà. Social Motion, on va le voir aussi. D'accord. Donc, Alerty, c'est un autre outil. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait... Je pense que tu l'utilises. Mais... Alors, mais tu utilises une version gratuite ou payante? Gratuite. Donc, tu as une restriction au niveau de... Ah. Alors, Alerty, votre solution de veille et de gestion des réseaux sociaux. Analyse, mesurer, collaborer, surveiller tout le web. Alors, veille, je vais faire un instant ça, c'est Social Mention, Loot, Alerty, voilà. Donc, juste. Voilà. Alors là, vous avez des solutions payantes, d'accord, qui vous fournissent plusieurs fonctionnalités très importantes. Quand vous pouvez faire un compte et utiliser gratuitement l'offre, mais quand c'est gratuit, vous avez une restriction au niveau des fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir plus que... Voilà ça. Alors, si vous allez utiliser gratuit, 2 alertes, archivage de données pendant 7 jours, export non disponible. D'accord? Donc, il y a des restrictions. Sinon, vous pouvez utiliser des versions payantes qui sont très intéressantes. Vous allez avoir des versions, par exemple... vous êtes informé par SMS pour mobile, s'il y a quelque chose, c'est un truc très important. Okay? Donc c'est la même chose, il fait la veille aussi et la mesure de. Maintenant on va passer à Social Mention. C'est un moteur de recherche en temps réel permettant de scanner une cinquantaine de réseaux sociaux. Alors c'est un outil très utilisé aussi. Alors Social Mention, non, c'est pas ça, le voici. L'interface très simple, ça nous rappelle l'interface de Google. Okay. Par exemple, je veux chercher Community Manager. Community Manager.
chercher, il n'a rien. Donc il va chercher en temps réel, c'est-à-dire il va trouver les informations les plus récentes. Et ça, c'est très utilisé. Je vous invite à les utiliser. Voilà. Donc ça me fait sortir, regardez. En fait, la force de ces outils-là, c'est au niveau de diagnostic. D'accord, de la mesure, de l'étude, etc. Par exemple, là, top keyword, il vous donne top user, top hashtag, les sources, etc. Sans regarder les sources, c'est en grande partie Twitter. D'accord, et d'autres aux autres outils. Voilà. Donc, ce sont des outils très, à mon avis, qui sont très utiles, mais il faut avoir au moins deux outils. Il ne faut pas utiliser tous les outils parce que ce sera énorme à avoir des outils en même temps. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, les outils sont nombreux. Moi, je vous invite aussi à avoir un compte NetVibes pour gérer les flux RSS. En plus, c'est notion de gadget. Si vous êtes habitué à Google, c'est très pratique et c'est plus facile. D'accord. Donc, les outils sont énormes. La question qu'on se pose toujours, ce qui me pose problème, ce n'est pas de décider, mais c'est de choisir. Donc moi, je vous invite à utiliser les outils, à trouver l'outil qui vous répond le mieux ou auquel vous êtes mieux à l'aise, voilà, entre guillemets, et pour l'utiliser. Sinon, j'ai oublié un outil qui est très important, je ne l'ai pas mentionné, c'est Clout. Clout est très important. Clout, pour moi, c'est acquis, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité ici, mais c'est un acquis. D'accord. Clout, la force, c'est l'analyse. D'accord, ça fera regarder par exemple, il vous donne une courbe. Je prends toujours mon temps parce que je gère ma et réputation, comme je vous ai dit. En tant qu'enseignante, c'est très important pour moi de suivre ce que c'est dit sur moi. Alors, je suis et je vois que l'interaction, moi j'ai géré ici, je gère ici Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, etc. Tous les réseaux sociaux, les réseaux surtout professionnels, VAID, etc. Donc, c'est très important comme outil de visualisation, de mesure, d'indication. D'accord. Voilà, je pense que j'ai terminé. C'était juste une petite présentation de quelques outils. Les outils sont nombreux. C'est à vous de choisir, d'étudier en fonction de vos besoins. D'accord. Ça, c'est. J'ai terminé. Si vous voulez rajouter d'autres choses, ce sera avec plaisir. Merci. Des questions? J'ai une question. Les outils qu'on vient de voir, donc c'est